Pour les fans de Shoot 'em Up, Taito reste l'un des développeurs chéris. Depuis les années 80, la société s'est illustrée dans le domaine, en variant les titres 2D et 3D, en alternant les jeux à scroll vertical et scroll horizontal. Elle a démontré son savoir-faire. Darius en est sans doute le résultat le plus probant. 12 Stag ne tente pas de rivaliser avec son aîné, mais cette production récente rappelle que Taito est aussi fidèle à son public. Et grâce à Codemasters, les hardcore gamers européens vont pouvoir le vérifier le 20 février 2004. Dans la plus pure tradition du shoot 2D à scrolling vertical, 12 Stag propose d'affronter une horde d'ennemis seul ou à deux. Si l'argument n'est pas original, il reste néanmoins attractif. Toutefois, son attrait ne dépasse pas une demi-heure le temps de finir le jeu. La faute à la présence de continu infini. Évidemment, vous avez tout intérêt à n'en utiliser aucun pour obtenir le score le plus élevé. Ce qui demande de mémoriser les schémas d'attaque des ennemis toujours identiques d'une partie à l'autre. La durée de vie s'en trouve bien sûr augmentée, mais artificiellement. Cet exercice de mémorisation sous-tend pourtant une architecture plus originale. 12 Stag se distingue en effet sur un point. S'il s'agit toujours idéalement de nettoyer tous les stages, la réussite de cette performance ne permet cependant pas d'obtenir le plus haut score. Pour ce faire, il faut maîtriser un certain type d'attaque. À la panoplie classique de coups, 12 Stag ajoute un tir latéral et un vers l'arrière. Toute destruction d'ennemis à l'aide d'un des deux tirs multiplie le score jusqu'à 12 fois la mise. Simple en théorie, ce mouvement s'avère en fait difficilement réalisable. Il faut connaître par cœur le circuit des adversaires pour trouver la situation la plus appropriée à l'attaque. Et même ainsi, on se rend rapidement compte que le placement est ardu. La taille de certains vaisseaux antagonistes, la vitesse à laquelle il faut agir complique la tâche. Mais c'est surtout la confusion des combats qui handicape l'action. Comme d'habitude, l'écran est surchargé d'effets qui entravent les manœuvres. Une fois tombée sa seule originalité, il ne reste du titre qu'un gameplay répétitif, des graphismes fades et une bande sonore pseudo-techno insipide. À bien y regarder de près, on s'aperçoit même très vite que le mécanisme est moins riche que dans les autres jeux du genre. Un unique tir évolutif est disponible pour l'attaque, un bouclier pour la protection. Mais aucune arme de déflagration n'est présente, et les bonus ne marquent pas visiblement la montée en puissance de l'armement. La période bénie de l'arcade est derrière nous, et c'est avec difficulté que 12 Stag tente de raviver l'expérience de cette époque. Sans être mauvais, le jeu demeure en dessous des standards, mais son prix lui aussi très bas, 15 euros, invite à la tentation. On peut donc y succomber, mais avec hésitation.